dois réduire son truc sur ses deux pieds. Je ne cherche pas à aller trop loin pour l'instant. Maintenant, tourne pied droit et tourne le temps. Voilà. Et prends le temps d'aller sur la haie. Maintenant, on va aller voir la haie pour faire le tour. Voilà. Yep. C'est ce temps-là qu'il faut qu'on retrouve. Hein. Il fait encore un peu de marteau, ça mec ou pas? Ah non, il peut. Ça, c'est. Ça énerve sa mère, ça. Moi, c'était l'année dernière, en cours d'année, il me dit je peux faire le marteau. J'ai dit ben, tu t'es engagé. Au début de l'année, on a demandé tes objectifs, tu t'es engagé toi, tu vas continuer jusqu'au. Enfin, quand il est continué jusqu'au bout, à contre-cœur. Même pour faire plaisir à maman, non. Non. Même pour les interceptions, il essaie de faire marteau. Non. Nous, c'est un peu 50-50. Hein. C'est pas impur. Ah, mais son cœur a choisi. On en a un qui a mal tourné, hein, il a fini le jolo. Il avait démarré à la course. Hein. Ouais, en plus, il a démarré par le foot et la course à la course. On sort de cure-dent. Il me fait des crosses. Je pense que c'est un des rares à avoir fait la même année des régionaux de cross et les championnats de France au Jablo. Cette année-là, il a dit quand même j'ai pris un peu de poids et ouais. C'est moins facile qu'avant. Là en rythme. Ouais. Sur la 2, 3, 4. Ah, ça a encore du mal. Mais c'est. Voir qu'on gagne un peu plus tout ça. Okay. Un peu poussif à faire vraiment le tour encore. Et alors? Bah, tu fais dans quel ordre? Ah, le 5 en premier? Bah oui! Bah c'est bien s'il a pas vu que c'était du 5, c'est oui. Ça me fait presque plaisir. Non, c'est. Autant je dis pas tant que ça. Hein. On le prend, je vais me poser un peu plus de temps que tu sois vraiment chercher un truc là faut que tu te sens ouais planté comme ça un tout petit peu plus bas et vraiment cherche pas à te pencher vers là c'est la fin du premier que tu pousses là ouais. Le filet est touché. Ouais. C'est parti un peu de longueur. Là, ça revient sur toi. C'est ouais. Pas sur nous. Ouais, c'est vrai. Merci. Pousse ça. Pousse ça. Je me vois regarder mes pieds. Cette fois, c'est la dernière. Ouais.
Donc elle prend pas une grosse fac par un mandat. Ouais. Bien sûr que c'est dur, elle commence à se faire battre régulièrement par un mandat. Elle dira peut-être place aux jeunes. Il aurait pu lancer avec moi. Franchement. Très douce. Ouais. Je me suis sûre dans le sac, c'est douce. Et en vacances avec son copain. Ah, tout ça? Et bien actuellement, bonne question. Ils descendent au désert, mais alors. Ah. Donc, ils sont partis à descendre de l'Ande d'Espagne pour aller en direction de Portugal. Ah, ok. En faisant du désert. Il y a un désert en dessous. Il y a un désert en dessous. Oh, c'est vrai? La plage. C'est pas parce qu'il y a. Il y a vraiment du désert, hein? Doudou, où est-ce qu'ils étaient, Lucie, avant-hier? Au nord-ouest de l'Espagne. C'est le désert de... Ah, c'est Bobby. N'importe quoi. Ils disent que c'est moi qui dis n'importe quoi et qu'ils n'étaient pas dans le désert. Si, c'était dans le désert. Parce qu'il y a des sables, c'est la mer. Ah, c'est dans les terres, hein. Avec moi, Mathieu? Bah, vous, comme ça, là. Non, non, pieds nus. Dans les pieds. J'ai des chaussures. Non, pieds nus. C'est bien. Rappelez un peu. On va voir quelque chose qui est un désert là en Espagne. Ouais, c'est bon, Mathieu. Et en gros, je crois que c'est l'autre qui s'en prend. Et ton frère, il est reparti? Mon frère, il est en vacances avec sa copine à Monaco. Et il reprend quand? Il reprend le 15 août, non? Ouais, il redescend le 18-19. Et toi, tu commences quand? Moi, je commence le 4 septembre, après l'aliment. Ah, t'enchaînes. Normalement, il était censé démarrer le 21-9. Ouais. La reprise, c'est une affaire. Je suis pas là. Et là, il a un peu de ménage. On attend sur le bout de la mode. Oui, mais. Alors, c'est les murailles de Finistras. Maintenant, en faisant 3 ans, c'est un peu moins cher que ça. Oh non! Tu peux discuter avec toi? Et pourtant j'ai bien aimé moi. 2, 3, 4, les angles sont beaux. Hein. Ah ouais? Non? Si, j'aime bien. Oh, il est un peu triste. Société de consommation aux États-Unis, le marteau, le table est un peu tordu, on change. Et voilà, je pense qu'il m'aurait changé depuis. Hein. Rien qu'il aurait couru. Bah
Ah non, il aura appelé quelqu'un. Techniquement, tu perds de la longueur. Tu perds de la longueur. Oui, mais si tu mets suffisamment d'action, ça prend le temps. Ouais. Tu mets suffisamment de force dessus. Pas mettre assez de chance dans le 5 pour moi. Voilà, si tu continues la même avance en calé, c'est ça. C'est la position que tu dois prendre au deuxième monnaie, c'est que tu viens d'avoir. Ouais. Se vide et travaille en abdos. Ok. Pousse la main. Allez, tu en emmènes un petit peu pour ta peur de ta tête. En rotation. Ah, je croyais que t'allais pousser les cailloux à l'intérieur. Non, je les remets dans le trou. Je rebouge parce que je vois bien que les finitions ici. Bon, tiens, on est dans le sud, hein, c'est quand même, c'est pas là. Non, ils sont pas fins. La finition était bien avant tout ça, mais il a. Il a au moins 25 ans cette cercle. Le marteau de devant, donc, même si on l'utilise ni à l'entraînement ni aux compétitions, on l'utilisait pas. Ils ont dit, mais vous le bouchez quand même, sinon on vous autorise pas de faire des compétitions dessus. Alors que tu as des endroits. Il gênait quoi? Non, le marteau de devant, tu fais hors secteur et tu peux le mettre sur la route. Sur la route. Non, ça, enfin, marrant. Certaines personnes. Ça, c'est marrant. Quand tu dis ça, mais pendant les interclubs, les gens ils lancent tellement mal que. Là, ça, oui, ça, pas va chercher en rotation. Allez. C'est mes nouvelles chaussures, je les obtiens. Le problème, c'est bien d'aller sur le soutien de tes droits, mais après, tu reviens plus. Tu vas chercher à droite, tu tournes, tu dépasses tout ça. Et tu reviens plus de passer à gauche. Ok. Oh putain, Fédé, ça va peut-être bientôt bouger. Ouais. Ouais, mais si c'est les mêmes qui. La même équipe qui se fait réélire, ça ne bougera pas trop. Et ça va être les mêmes qui vont repartir. Comment la vie comment on va essayer de tout avec leur programme de que ce soit les pilotes ou le recœur de... Ouais. Les présents de tous les clubs qui vont voter. Merci, yes, on choisit plus celui-là. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, on pourrait avoir des gros clubs. Oui, parce que comme c'était les délégués des clubs, tout ça, et puis. En rotation.
remonte encore un peu sur ce premier tour. Mais... J'étais moins à droite, non? Ouais, moi je trouve ça pas mal. Merci de m'aider. Oui, mais tu te dépasses trop par là-bas. À mon goût. Voilà, comme ça on dira c'est pas parfait. Il y a un habituel, c'est bien. Tu fais le résumé, tu mélanges, tu prends ce que tu veux, puis t'arranges le suivant. Dès que j'ai un avis positif, je consulte ma douce. Voilà. Comme j'ai l'œil le moins expert, t'as le meilleur. Ce sera toujours mieux. C'est celui que je préfère. Ouais, mais tu sais, c'est pas possible. Je t'ai décroté le reste. Comme les chevaux, c'est je t'ai décroté après. Ça s'affine avec les experts. Je vois pas changer trop, chercher à des trous. Hein. Ouais. À décaler ton poids de corps à droite. Essaie. Merci madame. Ouais, j'ai vu. T'as un œil aussi aguerri que Florence. Tu veux que j'emmène mon drapeau? Ouais. Tu l'as ressenti? Quoi? Ça va. J'ai ressenti ça. J'ai ressenti 29 degrés là. Vous y allez, ma de l'ANS pour certains. Ouais. Donc ils reviennent dans le suivi national classique. Ouais. C'est bien. Quand un ego n'a plus son entraîneur. Je considérerai toujours son partenaire national. L'année prochaine pour les aides, pour ceci, pour cela. On en aura peut-être plus. Hein? On en aura peut-être plus. Ouais. On en déplaise certains. Je suis déjà capable d'organiser des stages dans les dernières minutes. Des études, il me dit, ah, ben, comme t'aimes bien, j'aime bien tout prévoir longtemps à l'avance. Ça m'a donné une je vais les aider des championnats de France un peu de l'année prochaine. C'est pas ça un petit peu. Quand tu vois qu'aux États-Unis, ah. Les c'est un petit peu. France Avenir. Ah. Si ça reste Avenir. Oui, ils ont dit que ça reste un peu pour l'hiver, pour les France hivernaux. L'hiver c'est ça long. Ouais. Non mais tu reviens? Ah non, non, non. Ça fait un truc ouais. Oui, pas grand chose. Il ouais. Fallait que ça tombe dans une date de retour. Ouais. Au moins j'évite le vent et la pluie de sable. Je laisse ma place à une rue. Puis... Voilà, c'est la deuxième qui se passe. Championne de France hiver, une championne de France hiver. Bon, il y aura d'autres. Pendant ce temps-là, je serai peut-être, je sais pas, Tennessee ou Miami. Pendant que vous serez ouais, ah, sur Sable de Provence. Mais vous aurez la cagette de légumes. Pas moi. Bah non, pas nous, hein. Ouais. Côte, bah, les côtes de bête, les pommes et tout. Ouais. C'est pour ça qu'on va ça. Hein. Rien ouais. Pour ça, rien ouais. Pour ça. Moi, franchement, c'est son cadeau préféré. Albi, on a eu quoi? Rien. On n'a pas eu de cadeau.
Non, rien. Pas une peluche, même pas. D'habitude, il faut moins une gourde. Ouais. Je vais faire les rapides. Ouais, peut-être que là, ils sont dit, allez, il y a des espoirs en plus, donc ça fait trop d'heures que ça. On fait plus de cadeaux. L'année prochaine, ce sera même, tu verras, là, les médailles elles seront encore plus fines parce qu'il y aura vraiment plus de sous après les jeux. Ouais. Ce sera les médailles, ça sera les médailles crêpes, ouais. Là, tu sais. En fait, c'est retiré au sort, c'est une épreuve sur deux. Voilà. Médaille en carton, en imprimante 3D. Voilà. Ils vont couper ça dans du carton. Des feuilles à 4. Des feuilles à 4, 1, 2, 3. Ils auront un diplôme dans le meilleur des cas. Et un bisou du responsable aussi. Voilà. Là, il serre la main, ils font plus de bisous. C'est Covid. C'est mes lunettes ? Non, j'en ai aussi. Ça sert à quelque chose de commencer à me tourner à faire de. C'est dur de tourner en lunettes. Vice-présidente, de chercher de la haute performance. Voilà. T'arrives à tourner avec des lunettes, hein ? Je suis un peu crash test. Hein. T'es mis à la sauce ça ? Non, c'est vrai. C'est pas cher. Tu peux même mettre ta casquette. Bah, ça va me gêner plutôt. Ça t'obligera. Tu vas mettre à l'envers. À être ouais, tu vas mettre à l'envers. Elle sert à quoi du coup? Bah, elle protège ta tête. Eh bah, sinon, je sais quelle casquette il fallait prendre. La vache qui rit. Ah, ouais, j'avoue. Petite visière. J'avoue, la vache qui rit. Elle aurait été parfaite. Ça fait du bien aux yeux. Bah, surtout qu'il est pile en face, ouais, de toi. Est-ce que ça va tomber? Je sais pas. À vos paris? Non, normalement non. Normalement non. Tu restes droite? Ouais. Et ouais, que tu cours, verra... et que tu tournes assez vite. On verra si je baisse la tête ou pas. Le coup d'épaule, le troisième. Et franchement, je vous ai vu deux fois. Comme quoi. Mais j'ai souvent pensé, hein, quand même, de. Quand j'ai embêté avec le soleil, quand on mettait le coup. Je fais pareil, hein, tu vas charger à droite, suivant latéral. Le plan sur le premier tour n'est pas du tout le même que sur les 2, 3, 4. Puis en plus, tu mets les coups d'épaule. Je ne veux pas le décoller, je ne veux pas aller charger. Ça tombe pas là. Regardez que ce soit bien fini. Depuis tout à l'heure, tu fais l'inverse. Tu l'éteins quand tu lances. J'imagine. Alors. Ah, si, ça va déjà arriver ça. Tu auras au moins les commentaires comme ça. Ça fera la vidéo du petit café du coin. Ému. Bon, c'est bon, ça filme. Je... Ah, c'est marrant. Et du coup, t'as quoi ton boulot ici? Je travaille au centre de formation de Lucas Patrick, de Rubik. Ok. Un peu de prépa physique et pour que ça puisse faire temps complet, je fais le suivi scolaire. Je fais de l'aide aux doigts, tout ça.
ou tu fais non. juste le lien entre que les liens avec l'école club, quoi. Quoi. Parce que c'est un genre de pôle Non, non, que c'est pour en fait, tous les clubs pro, ils ont des centres de formation. Ouais. Ouais. Là, ils sont nés ainsi. Ouais. Ou à peu près, ils analysent. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont compréhensibles. Quand je dois partir, tout ça. Non, c'est peut-être depuis 2006. Et en fait, quand je suis arrivé, que. Parce que normalement, je défends du. Le club, il est divisé en deux. T'as le secteur pro et le secteur amateur. Ouais. Et le problème du secteur pro, c'est que quand il y a le manager qui part, ouais. il part avec du monde, ouais. il y a du monde qui vient et puis toi tu peux te retrouver. Moi j'avais demandé à être salarié de l'association. Comme ça, ben ça. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et c'est un hasard que tu es tombé dans le rugby? Non, enfin, avant il y avait un meeting international de classe et puis moi quand je vais dans les meetings, j'aime bien discuter avec eux. Et j'ai vu l'extérieur, je suis avec le comment ça m'a eu sa mutation et tout ça, et puis j'étais à la recherche de boulot, tout ça, et puis j'ai rencontré des mecs des services de sport, et puis tac, ils m'ont dit, tiens, ils cherchent quelqu'un au rugby. Et puis pendant l'entretien, ils m'ont dit, comment ça se fait que tu es sélectionné comme ça? Je dis, ben non, moi j'ai. Non, c'est pour moi, parfois c'est bien de discuter avec les gens. Et puis le fait de rencontrer, c'est à l'envers. Ouais. Hein. Quand même, pour moi, ça rencontre avant même un tout petit contretemps. C'est ta femme qui bosse avec prof de PS. Elle est prof de PS. Dans un collège. Tu vois, tu l'as là. Non. Oui, dans un collège, je vais pas aller au lycée. Un peu trop tôt. C'est pas le même job. Non. Non. Je dois pour elle compte dans les deux. Et hop. Non, mais comme il a une équipe depuis un bout de temps, ils s'entendent très bien tout ça. On marquera quand même à du chemin. Il y a du chemin, il y a 20 minutes en voiture. On va juste devoir à la fin. Alors que si elle est au lycée, c'est ça, ben c'est à côté. Par contre, le lycée, enfin le lycée, pas, enfin le lycée public, il est trop énorme, tout ça. Il y a 2000 élèves. Un peu devant. On en mettra un peu de côté là. Pour... Quelle année t'as déjà 75. Oui, c'est ça, on a ensemble. Ouais. Je me semble qu'elle a un chouette. Dommage que la photo elle n'a pas accès à la passerelle. Je peux ramener sur la passerelle. De Mazamé ? Ouais. Bon, on va y aller avec la Piotillo, ça a l'air beau quand même. Vous allez quand ? Ben, je sais pas. Mais j'y joue pas ça cette semaine. Et du coup, on va quand même y aller avec lui. Il peut voir le début de la passerelle ou peut-être que c'est bien. De l'autre côté, il peut pas. Autre côté, c'est ça. Ouais. De l'autre côté, il peut pas parce que c'est pas. Il y a le parcours officiel où tu dois monter d'accès. Puis moi, je regarde un truc non officiel. Mais sauf qu'il y a des trucs. Et puis là où il pourra s'approcher plus, c'est par haute poule. Ah, quand même, par haute poule. Par haute poule. Par haute poule, et puis là il pourra voir le haut de la passerelle sur le truc médiéval. Ok. Parce que ça, ouais, ça monte un peu tout ça, mais c'est assez large et plat. Ah, vous me dites comme ça, ben, j'irai en même temps que vous. Ouais, par haute poule, en fait, quand il faut. Enfin, on peut pas rentrer dans le village parce qu'il y a un trou et puis il y a un parking juste un peu en bas tout ça. Où, ah oui, ça vient un village piéton. Je vois pas combien de chèques. Même en PMR, ils n'ont pas laissé un accès plus haut.
C'est deux séries ou pas? Bah, parce qu'il y a une barrière. De deux? Ouais. T'as combien là, tu as pas? 14. Ah si, il y a un parking PMR juste à côté de la barrière. Ouais, jusqu'à juste avant la barrière. Ouais, là, comme ça, tourne tes épaules à droite. Il faut aller pour les avant. Je suis. Voilà, juste ça. Bon, on accroche quand ils avancent. Ça. Je sais pas si on peut faire. C'est quand les enfants, j'ai dit, parce qu'en fait, ils ont fait des tyroliennes. Ouais. Et tous les enfants, j'ai dit, tiens, faut pas qu'on aille à l'autre. Et puis, ils nous ont dit, on va, vers 20h, c'est. Pardon. Parce qu'en fait, pour le. Pour la tyrolienne, tu vas à l'office de tourisme, c'est que dans le truc, tu vas tout seul. Voilà. Et il y avait une dame et son mari, tout ça, et puis, comme la dame, elle faisait le n'importe quoi, tout ça, elle était coincée entre deux trucs. Et on faisait tac. Et pendant au moins une heure, on a appelé les pompiers. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui est venu avec le taxi, puis il avançait, puis les trucs descendaient. Les enfants, on le fait plus. On le fera pas. Tu bouges ton pied, tu passes sur ton talon pied droit. Non, c'est parce que bouger. Ouais, donc tu es dans le truc. Et t'arrives presque au bout et puis. Et elle attaque à pas attraper tout le pétac. Si c'est pas très bien, ça doit arriver. Par contre, ne décale pas. Mais c'est bizarre que. Il n'est pas sorti de la cage, il compte pas. Il a trois tours, c'est compté normalement. Bah non, mais il n'est pas sorti. Est-ce qu'il sort? Attends, mets la caméra à droite. Viens droite. Mettre la caméra sur le côté à droite. Et c'est une randonnée à faire ou tu fais juste. Non, vraiment, dans l'axe de la ligne. Un aller-retour. Non, c'est un aller-retour. Tu encore un peu. Ça devrait être bon là, non? Non, il y a une randonnée, mais je le fais jamais parce que c'est. Ça rentre trop. Ah. Attends, regarde, c'est comme le parking, tout ça, le parking officiel, tout ça, mais en fait, feignant. Comment? Donc, on s'est compris mieux. Tu peux décoller, mais le plus grand ne bouge pas. Voilà, je voudrais dire de ton massage préféré. C'est joli, ça, c'est bien. C'est plus équilibré. Non? Ouais, j'aime bien. Après, c'est t'es serré mais haute encore. Hein. Ouais. Souffle entre les yeux. Parfait. Le prochain, j'y vais. Tire dessus, 3-4. Dommage. Et un peu partout. Bon, on va me renouveler le stade l'année prochaine. Ah ouais? J'aurais dit un mec qui le rénove cette année, mais là il l'ont repoussé l'année prochaine. Comme ça la perche, je la sors. Et je mets un air de lancer là-bas. Sous la perche. Non, parce que chaque fois, ça passe, tu sais, il y a des jambes en même temps, tu sais, puis.
En fait, parfois, pour les déplacer, comme par rapport au vent, tout ça, pour le déplacer, pour le mettre sur la ligne. Ah, et le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre en permanence sur le, la ligne opposée à cause du foot parce qu'il est, ah bah oui. Il est trop près. Donc, je sors la perche. J'aimerais bien qu'il me fasse une aire là-bas et puis on va bien faire une autre aire au fond là-bas. Ah oui. Comme ça, quand j'ai le vent du nord, tout est bon. Et t'as t'as tous les vents. T'as pas fait de. J'ai un pote qui avait fait ça pour sa maison, pour en statistique pendant. Avant de construire, il avait tout relevé, les températures et tout ça. Et là, ça serait de se dire, tu mets l'anémomètre à différents endroits, tous les jours, tu fais des prises de vent. Normalement, au mois de mars, il faut qu'on lance. Non, mais si je mets une aire là-bas, là, c'est bon comme ça. Parce que, en fait, quand le bon vent pour le disque, là où on va vraiment très loin, c'est un vent d'autant, ça vient par là. Ça accélère. Et là, tu te fais plaisir, tu gagnes au moins 6 mètres. Et parfois, c'est vraiment des tricheurs. Et parfois, il y a le vent du nord. Et là, le vent du nord, en fin de compte, là, je peux pas. Il est de dos et puis là, il est pour les gauchers. Fallait vous payer le, fallait payer le voyage pour aller aux US, ouais. Pour faire le tour des lumières. Bande de tricheurs. Nous, qu'on soit à droite, gauche, ouais. Pas rien du tout. Marteau, tu peux sur. Oh, tu peux. 50 cm à mètre, hein, tu peux. Ouais, c'est surtout. Il est contre toi quand tu. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment la plus grosse différence entre ouais. Tout. Le nombre de plateaux qui sont râpeux et puis les plateaux qui sont. C'est pour ça que ce plateau, j'ai pas voulu la refaire, j'ai pas voulu la casser parce que je l'aime bien. Oui, quand même. Non, mais cela dit, c'est comme les gens à la voile, il faut qu'ils apprennent à manier le vent, ça fait partie de leur chose. Voilà. C'est pas c'est meilleur avec du vent. Mais c'est une discipline. Bon, comme ils courent avec les vents, c'est ça. On leur tourne et des vrais. Ouais. Tu n'as besoin de rien, mais c'est lui. Ouais, même quand il pleut, ils sont dehors. Ah oui. Ça, je pense que c'est extra l'interprétabilité parce que c'est rare. Le lanceur de marteau est un all weather. J'ai jamais eu ce temps-là depuis le début de l'année. C'est du all road et all weather. Cette année, c'était quelque chose. Ben, l'année prochaine, tu vas avoir que du beau temps. Et ouais. Ça, c'est bien ça. Je vais revenir bronzer, maman. Ouais. Je vous enverrai des petites vidéos quand vous serez à Salon. Au plus froid, il fait 15, sauf cette année, Rémi est rentré. Ils ont pris 2 jours de gel, ils n'ont rien compris là-bas, ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient ça de gel sur les routes, et ils étaient complètement bloqués, tout a été paralysé, fermé. Rémi dit, ouah, c'est la sketch. Alors que nous, ça de gel, la vie continue. Une patineur sur toute la vie. Je vais paniquer. Ouais, t'es paniqué. Ouais. Il était, ouais, 30, 32. C'est quel côté exactement? C'est bas à droite. Sud-est-est. À côté de la Floride. Entre le Texas et la Floride. Ouais. Les 2 années d'avant, la première compétition, c'était à Miami. Donc, le stage d'une semaine avant. Petite Marie. C'était mignon. Il est sorti, ça quoi. Je suis sorti. Moi, je compterai pas. Maintenant, je me débrouille tout le temps pour qu'il sorte.
une séance à la Brissot. Ouais. 100 jets. Tant qu'il n'y a pas 100 jets, t'arrêtes pas. Ouais. 100 jets, c'est lourd. Ah, regarde, ça finit par payer, hein. Il a fait champion de France. Ouais. Puis je vais te parler comme David. Mais c'est de la merde. En vrai, 100 jets, c'est vraiment. Mais t'es nul. Rien. Mon 18ème, t'imagines s'il m'en restait 82. On a encore la main, je crois, 82. Ah, aujourd'hui, il faut faire 76. Oui, en vrai, nous, c'est avec Hugo 60G. C'est un peu plus léger, quand même. Ouais. C'est moins fatigant, moins dur. C'est juste traumatisant. Bonsoir. C'est juste traumatisant. Ouais, le don. Là, il nous a dit bonsoir pour être sûr qu'il lance pas dessus, hein, qu'il avait vu qu'on l'avait vu. Il est en accès libre à votre stade, la petite porte est toujours ouverte. Il laisse la petite portail ouverte. Par quoi? Ah, les gens qui veulent jouer. Ouais. Ça, c'est là. Vous n'avez pas trop de dégradation? Avant le Covid, oui. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi. Les délinquants qu'il y avait, soit ils sont retrouvés en prison, soit je sais pas, on les voit plus. Parce que avant même, au niveau de la drogue, tout ça, on voyait des gens venir. Et puis parfois, on retrouvait des seringues en haut de ça. Et puis depuis Covid, il n'y a plus rien. Ils nous ont même brûlé notre local et puis ils l'ont refait. Ça, c'était peut-être pas mal finalement. Non, parce qu'on a perdu, parce qu'avant, on avait un truc à l'étage et puis. Ils ont mis, deuxième partie, c'est les espaces verts, alors qu'avant, les espaces verts, ils avaient juste un petit KGB. Alors que là, ils ont fait moitié-moitié. Ouais. Mais quand on fait les campagnes, tout ça, ben, on leur demande et puis ils mettent leur tracteur ailleurs ou quelque chose comme ça. Ils sont compréhensibles. Et avant, il y avait. C'était quelqu'un qui. Enfin, le responsable du. Enfin, qui avait plutôt de la carte sportive du club, tout ça, comme celui qui gérait un peu tout ça, et puis il leur disait jamais bonjour. Ouais. J'ai jamais merci, donc pour prendre tout ça ou bien pour tracer tout ça, ben, parce que, alors que depuis que c'est moi qui m'en occupe un peu tout ça, tu sais, je dis bonjour, merci, etc. Ben, ça. Quand je dis voilà, faut tendre, ben, il vient tout de suite tendre, faut tracer, il vient tout de suite tracer. C'est pas grand chose. Hein. Ah non, les espaces verts, faut. Enfin non, c'est vaste, non, c'est pas.